Salut, bienvenue dans cours Excel là. Jeudi, nous voilà commencer avec cours Excel là que un peu le monde t'a demandé. Dans cours Excel ça, on va être capable d'apprendre toute bagaille de Excel et on va être capable de maîtriser le logiciel ça. Pour être capable de comprendre et maîtriser tout ça que nous voulons faire afin que capable de un professionnel après formation ça ou doué premièrement gagner ordinateur c'est obligatoire si que vous pas gagner ordinateur ou pas besoin même prendre temps perdre temps à suivre formation ça parce que c'est qu'on veut faire ou pas besoin capable apprendre vraiment vrai parce que logiciel ça lit vraiment exigeant, lui demander en pile pratique. Et deuxièmement, lui demander pour balle 30 minutes par jour et une temps max par jour pour capable pratiquer. Pratiquer soit on fait ça, nous fait déjà ou refaire afin que vous capable d'être dans tête honnête. Et deuxièmement, vous capable travailler sur ça, nous fait mais ou changer chiffre ou changer contenu afin que vous même vous capable faire propre à faire pas au pour si vous vraiment vous te comprendre cette fait là. Ne pas perdre temps à commencer. Mais n'a commencer avec une petite théorie. Ne pas capable commencer quoi sans que nous pas faire aucune théorie. C'est un coup nous fait quoi mais nous fait un caille et puis nous pas faire base caille là d'abord. Donc nous supposer faire un petit coup de théorie même s'il pas dur en pile temps. Mais nous supposons faire un petit coup de théorie afin que tout le monde soit capable de gagner une base logicielle, capable de connaître qui ça Excel, qui ça un tableau et tout bagaille qui est primordial de logiciel. On a commencé. Qui ça qui Excel là même? Qui ça Excel? Ok, Excel là lui-même, nous sommes capables de lire avec. Excel est un logiciel de la suite bureautique Office de Microsoft et permet la création de tableaux, de calculs automatisés, de planning, de graphiques et de bases de données. On appelle ce genre de logiciel un tableur. Ok, Excel là lui-même, c'est une suite de logiciels, bureautiques. Nous allons voir qui ça bureautique là-bas devant. Son package logiciel ça est. Ou pas besoin ni pour call. Package ça lui-même c'est Office, Microsoft Office. En dans Microsoft Office ça, ou joine Word, ou joine Excel, ou joine PowerPoint, ou joine Access. OK? C'est tout logiciel ça ou joine ensemble dans un seul logiciel. C'est ça fait nous dire un package, ou joine un paquet de logiciels là-dedans. OK? Pour capable joindre Excel, ou supposer installer tout package là. Pour installer, ou bien l'offre installer, ou bien ni Word, ni Excel, ni PowerPoint, ni Access. Ok, lui même lui permet de faire des calculs automatisés. Par exemple, ou non entreprise, et puis patron besoin faire payroll pour payer tout le monde, qui est dans l'entreprise là. Imaginez, il y a 100 monde qui est dans l'entreprise là, et puis patron besoin payer tout 100 monde ça. Ou imaginez c'est pas de Excel et d'avoir l'obligé pour une calculatrice pour la contrôler pour chaque grain de monde combien chaque grain de monde a touché pour la faire calcul là pour chaque grain de monde et bien avec Excel là faut seulement faire calcul un seul monde et puis avec calcul ça avec formule utilisée on va voir capable joindre toute l'audio dans quelques secondes même si c'était 100 même si c'était 200 même si c'était 300 même si c'était 500 on va joindre en quelques secondes comme vous supposez payer tout moun sa yo. Logiciel la pas limité à ça seulement. Par exemple, nous capable prendre dans l'école ou besoin konn ki moyenne tout élève fait. Donc même si gen 300 élèves, même si gen 1000 élèves, la permet tout faire ça bien rapide. Il suffit que vous entrez notre élève là, OK, ou entrez formule pour utiliser et puis la bonne moyenne tout élève yo en un clin d'œil, bien rapide. Pas n'a pas dans quelques secondes, pas même temps de minutes et puis calcul là a fait normalement.
Il permet de faire des graphiques tout, de base de données. Donc, on ne peut pas parler de ça pour ne pas troubler nous. On a fait un poser sur vous. On a tourné sur vous très bientôt. Pas inquiéter nous. Il y a un tableur. Qui sont un tableur? Un tableur est un programme informatique capable de manipuler des feuilles de calcul. Donc, capable de la part en bas là. Mais, on bien ça. Ça, c'est un tableur. Ok? Nous avons des feuilles de calcul là dans le tableau. Nous avons là, feuille 1, feuille 2, feuille 3. En dans le tableau, nous avons créé plusieurs feuilles de travail. Même si nous avons dit Word, dans Word, nous sommes capables de créer plusieurs documents. Ok? Nous créons un nouveau document, nous créons l'autre, nous créons l'autre. Ben, en Excel, nous dit feuilles de calcul. Ok? Dans un seul tableau, nous capable de créer plusieurs feuilles de calcul. Ok, c'est comme ça. Donc, ça c'est un tableur. En dans tableur ça, nous voilà capable de faire un paquet de calculs. Mais attention, je ne veux pas aucun monde essayer de comprendre ça qui est écrit là. Parce que je ne veux pas que chaud là. Je vais aller la fumer pour ces dans oreilles nous. Parce que nous essayons de comprendre nos oreilles noires. Non, posez ça, pas courir, posez ça, ou pas le tout bagage ça en détail, ou pas le capable de maîtriser bien rapide. La descend. Nous ouais, Excel là permet de créer des tableaux de toutes sortes, quel que soit tableau lié, il permet de créer. Il permet de intégrer des calculs, nous soit dit ça là, calcul mathématique, quel que soit problème, de besoin calculer, besoin faire addition, besoin faire multiplication, besoin faire division. Quel que soit calcul là, il permet de faire bien rapide. Les valeurs du tableau se mettront donc à jour automatiquement en fonction de vos saisies et de vos calculs. Nous souhaitons dire ça là. Les comptables l'utilisent beaucoup. Ou pas qu'un comptable, non? Ou pas qu'on a un Excel, non? C'est presque même bagaille qu'on fait. Ou capable, par exemple, nous capable voilà, on dit non, vous pouvez également vous en servir pour calculer un budget, faire un devis. Ok? On capable faire devis avec, ou capable calculer un budget avec. Donc, vous supposez maîtriser. Tout le monde net à supposé maîtriser. Au capable de nos jours là, toute entreprise exige tout le monde gagne une connaissance en Excel. Gagne qui dit Excel Word seulement, parce que Word très important, très très important aussi. Donc, nous voyons la différence qui est entre Word et Excel, puis devant, non, titan. Donc, tous deux importants. Plutôt pas maîtriser ou pas qu'on a un PowerPoint ou pas qu'on a un Access. Les mêmes nous pas qu'on a un là-dedans, c'est pas parce que yo même yo pas important, non, mais deux premiers logiciels le plus important, le plus exigeant, le plus demandé, qui c'est Word avec Excel. Donc yo même le plus important. Pas inquiéter, nous gagnons pour des formations sur Word 2, mais pour le moment là n'a concentré nous sur Excel. Ok. Voilà, Excel permet également de générer de jolis graphiques. Ok, il permet de faire des graphiques. Ok, il y a un graphique qui fait des graphiques là dans la bâton, en camembert. Nous allons voir ça yo. Pour mieux visualiser les valeurs et les interpréter. Tant que soit fait des calculs, par exemple, pour calculer moyenne, au lieu de la gueule vaille que vaille, dans le tableau, vaille que vaille, ou créer des tableaux pour faire belle. Même j'en ai Word. Ou créer des tableaux, mettre des valeurs dans le tableau, par exemple, soit mettre des noms, ou bien, soit calculer les moyens, ou capable de dire non, prénom. Parce que non, élève là, prénom, élève là, classe, ou capable de mettre classe, et vous mettez moyenne. Et vous pouvez capable de mettre matière, vous mettez tout le tableau. Ou qui parle de vaille que vaille, vous créez un tableau, et puis vous mettez. D'accord? C'est un puissant outil de visualisation mathématiques. Excel là lui-même n'était capable dit pas qu'un calcul li pas qu'à faire. Il qu'à faire n'importe calcul mettre devant. Il suffit que vous dites mais ça me le fait oui Excel. S'il vous le fait ça moi mais ça me le fait. Et puis après bien rapide li baoul, bien rapide. Au fin fait pour nia lui-même même si gagne 10000 lots, la botte 10000 lots en quelques secondes. C'est garder problème qui t'a bien c'est pas gagne Excel. Hein? Donc grâce à Dieu nous gagne Excel, gagne un peu de bagaille. Nous avons fait bien rapide. Nous avons continué. Nous sommes capables de là. Par exemple, nous avons un calendrier de l'année universitaire. Nous sommes capables de faire ça tout dans Excel. Regardez.
ou créer un tableau ou faire des mises en forme, ou mettre des couleurs ou faire ou mettre une beauté là-dedans. Donc tout soit fait pas fait vaille que va vous faire paraître belle pour capable joindre des satisfactions. Donc vous pouvez faire pour un patron, pour patron capable de dire waouh, ça son professionnel qui fait ça. Et on met quoi même dit pour patron satisfait, on met qu'on est au même des possibilités pour gagner et augmentation ou bien pour gagner yo mettons dans l'autre poste qui est supérieur. Bon, on campe là, on campe là parce que bah nous bah nous espoir, ok, mais c'est ça. Donc faut qu'on capable maîtriser le sujet, ça tout soit fait battre pour faire bien afin que capable charmer, capable et séduire tout le monde qui est là. Ok, qui wall Excel? Pour qui ça Excel? Qui wall lui? Hein? Sans doute tout le monde besoin comme ça, tout le monde t'a aimé comme qui wall Excel. Eh ben, on lit ça ensemble. Le logiciel Excel est un outil modifiable et évolutif qui vous permet d'afficher clairement vos données sous forme de tableur et de graphique. Ok? C'est un outil modifiable qui évolue, qui permet d'afficher clairement les données sous forme de tableur et de graphique. Les modèles de calcul sont rapides à développer et à modifier. Calcul rapide. Nous sommes capables de calculer pour n'importe 10 000 personnes, 100 000 personnes. Non, mais c'est qu'en minute, les barres. Hein? Imaginez où tu as fait calculer ça pour quoi? Yon par yon. Combien de mois tu as pris pour faire? On peut calculer là avec Excel là, même le fait bien rapide. Bien rapide. Excel vous fait gagner un temps précieux. Enfin, que ce deal là. Il faut gagner, il faut réserver un paquet de temps, pas faut perdre du temps. OK, sans lui, on chez gagner calculer ta faut prendre des mois et des mois. Et bien avec le pas faire, ou pas perdre du temps, vous faire bien rapide. Excel vous fait gagner un temps précieux tout en vous épargnant l'achat d'un logiciel de gestion d'entreprise. OK, mon comptabilité, sans lui même là, on est obligé de gagner QuickBooks par exemple. Hein? Que t'as pas l'acheter bien cher. Donc lui même il permet tout et au fait des travail que un paquet de logiciel qui coûte bien cher capable faire. Merci à monde qui créé là. On pourrait te voir pour me dire merci pour nous à monde qui créé là. Parce que c'est un très bel logiciel qui est très 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 important pour toute entreprise, pour toute institution qui existait. OK. C'est quoi Word et Excel? Word avec Excel. Ça gagne entre eux. Word, c'est un traitement de texte, donc on l'utilise pour les lettres. Attendez bien. Word, c'est un traitement de texte. Avec Word, vous faites traitement de texte. Vous utilisez pour faire lettres, rapports, mémoire, thèse, prospection, etc. Ok? Son traitement de texte. Il permet de faire des traitements de texte. Ok? Écrire des textes, capable d'écrire lettres, rapports, écrire mémoire, etc. Alors, ce que Excel, c'est un tableur, donc ça sert pour la compta, ok, pour la comptabilité. Ça permet tout de faire, il est là pour comptabilité, les données mathématiques, etc. Données mathématiques, calculs mathématiques, ok. Il suffit qu'on mette formule qu'on a besoin et puis calcul la fait pap, pap, en un clin d'œil. Mettre quoi même voilà le puissance Excel là avec nous voilà prendre tout bagage dans Excel là net de A à Z. Lorsqu'une fait une formation ça on met dans n'importe bon pas seulement dans n'importe institution pour travailler on met au prêt pour former l'autre monde pour aller bailler l'autre monde bête grand monde pour capable montrer importance logiciel ça créer Excel là. OK, donc capable là Excel est un logiciel tableur. Nous autres ça nous comme qui ça est un tableur et nous autres faire en l'air. OK, question qui est très important, est-ce que Excel est un logiciel gratuit? Question ça très 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 belle. On met quoi en pile là nous à poser cette question ça. Et ben mes réponses là. Excel fait partie de la suite bureautique Microsoft Office. Nous autres dit ça là. C'est un package. Microsoft Office a son package. Ou jeune Word, ou jeune Access, ou jeune PowerPoint, ou jeune Excel, ou jeune ça, ou ensemble, non, seul logiciel. Et pour installer le logiciel, ça, tout gain tout ça, honnête. Donc, payant.
logiciel ça payant. Malheureusement, il est payant, faut acheter. Mais heureusement, heureusement, en l'autre fois encore, heureusement, il y a moyen pour gagner gratis, dit chéri. Ok, il y a moyen pour gagner gratis. Mais, il faut qu'on compte comment. Ou pas capable de gagner gratis sans pas gagner. L'on a laissé télécharger sur internet, ou a besoin sans problème. Mais la valable seulement pour 30 jours, pour un mois. Après un mois, ça l'a expiré, ou pas capable de faire rien sur les. Je vais vous donner un exemple, je vais activer pour vous montrer qui problème la valable. Nous, les 30 jours à finir. Je vais quitter pour le premier coup, juste pour vous montrer comment les lits pas activer. Nous allons les mouvrir, t'as le comme ça, n'importe qui s'alba moi. L'IPA, mais il y a moyen pour capable de gagner gratis. Si toutefois on ne pas contre comment pour gagner gratis, écris-moi privé et puis m'a bon plus explication de comment que capable de gagner gratis. Ok, écris-moi privé. C'est quoi la bureautique? Dédina Bensoli, nous te voilà en l'air, Dédina Bensoli. La bureautique est un terme qui regroupe les logiciels qui aident l'entreprise dans la rédaction de documents. On va me reprendre. La bureautique est un terme qui regroupe les logiciels qui aident l'entreprise dans la rédaction de documents. Il existe plusieurs suites bureautiques aujourd'hui. La suite Office de Microsoft sous forme de logiciels à installer sur votre ordinateur payant. Bon, nous sommes ça. C'est un ensemble qui regroupe un ensemble de logiciels qui aide une entreprise, quelle que soit l'entreprise là, faire rédaction document, soit des lettres, soit des rapports, quel que soit ça là, ou bien payroll, ou bien quel que soit calcul là, payroll, ça pour qu'on qui ça les bruit, ça les nerfs. Donc tout ça yo, il permet tout faire. Quelle est l'importance du coût bureautique en administration? Quels sont les avantages de la formation en bureautique? La bureautique tient une place importante et joue un rôle prépondérant pour la bonne marche d'une entreprise. Elle permet d'assurer les échanges à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise. Ok? Tout le monde qui a compris ça, l'importance, lui permet tout. Assurer échange intérieur en d'entreprise là avec des entreprises là, quelle que soit sous forme de calcul, de forme de lettre, tant que vous en lettre, vous voulez dehors, etc. Comment devenir un expert en Excel? Ça très important, tout le monde doit comprendre. Pour devenir un expert avec Excel, vous devrez vous investir dans votre formation. Attendez ça bien. Bay temps à formation ça. Bay temps. Sou pa gen tan, sou pa ka kre tan pou li, pa pèdi tan, pa gade formasyon. Mwen menm pa kouri de moun pou gade formasyon sa, mwen jist vle ede yon moun. Mwen pa vle yon moun fin sou formasyon sa pou pa konnen rien nan Excel, pou pa ka fè tout sa m fin fè yo. Donk, bay tan. Fò investi nan formasyon sa, bay tan ou la dan. E met an aplikasyon tout ce que vous apprenez et, ok, au fur et à mesure. Mes amis, est-ce que m pa sou di sa? M di sa talè. Bay tan et pratique. C'est ça que fait me dit non. Premièrement, pour apprendre l'Excel, ou doit poursuivre comme ça, ou doit gagner un ordinateur. Deuxièmement, ou doit bay tan 30 minutes minimum par jour ou 1 heure de temps max par jour afin que capable venir expert. Ces deux principes ça, ces deux mesures ça va respecter avant ou pas besoin même commencer. Vous devrez être curieux. Y avoir soif d'apprendre. Ça, c'est bon, je ne vais pas dire sur ça. Tout le monde comprend, je n'ai pas besoin de rien. Et vous devrez choisir des formateurs compétents. Grâce à Dieu pour vous, vous avez un formateur qui est pas mal et qui est prêt pour aider et qui a tout le même, pour aider, capable de maîtriser le logiciel. Ça, bien rapide. Et moi, prêt à tout le monde pour poser des questions. Si vous n'avez pas compris, dites-moi et puis moi-même, je réponds bien rapide. Sans problème. Sans problème, je colle tout le monde. Dites-moi. Si vous dites-moi, je ne vais pas écrire, ma faire réponse. Parce que parfois, je suis occupé, mais depuis que je suis libre, je réponds bien rapide.
Vous devrez avoir choisi des formateurs compétents avec une bonne expérience d'affaires appliquée. Bon, grâce à Dieu. Pourquoi suivre une formation en Excel? Suivre une formation Excel permet d'accomplir rapidement plusieurs tâches. On peut établir des factures avec Excel, facture, capable d'établir des factures avec Excel et faire des modélisations financières. Depuis c'est pas qui gagne chiffre Excel là et wa. Wa, depuis que qui gagne chiffre là dans l'Excel c'est wa, la bosse ça. Plop plop pap pa la pour là. Pas perdre du temps là-bas, est bien rapide. La visualisation, le traitement et l'analyse des données sont aussi des actions que l'on peut mener à bien rapidement. OK? Vous pourrez aussi accomplir d'autres tâches. Voilà, donc toute l'autre bagaille qu'on a fait avec Excel. Excel là, on va faire seulement ça. On va faire un paquet de bagaille là-dedans. On va prendre tout avec, pas besoin de peur. On va prendre tout avec seulement. Reconnecter, commenter, dire ça ou pas comprendre. Commenter, quitte un commentaire pour nous pour capable encourager nous. Like, formation pour que plus monde capable de partager, pour plus monde capable de. Et puis, je suis toujours là avec nous pour nous Excel là. 100% de A à Z. Ma papa nous fait tout bagaille net. Interface Excel là. Mais interface Excel. OK, ça c'est interface Excel là. Nous pas capable faire connaissance avec puis devant. T'as le bon dans l'autre formation, nous pas capable faire plus connaissance avec, comprendre ni plus comme nos bagaille et comment que nous capable travailler sur lui. OK? Ça c'est interface là. Il y a un peu de monde qui dit bon, pour qu'il soit tout magic, vous dites ça. Oh, pas besoin de quitter tout. Tout le monde, ça va pas être de l'eau, tant que c'est de l'eau à boire chaque jour. Ok, il suffit que vous compreniez, vous posez des questions, vous pratiquez, vous refaites des choses, vous refaites, vous refaites, vous refaites, vous refaites, et vous refaites tout encore, sans problème. Vous allez faire une petite connaissance à nous, tout petit. Ok, nous avons ça là qui c'est. Menu Excel, voilà, comme vous flèche là, menu Excel. Ok, nous gagnons un petit bar ça quand là, qui c'est bar accès rapide. Lui même, il permet de faire bagarre bien rapide. Vous capable ajouter l'autre bagarre sur notre axe bar d'accès ça, bar d'accès rapide là, vous capable de tirer, capable ajouter. Mais par défaut, c'est ça toujours là-dedans. C'est toi ça. Undo avec window et puis save. C'est ça toujours là dans par défaut. Nous gain ruban partie en l'air là qui c'est ruban. Les nouveaux logiciels on va faire plus connaissance avec. Pas inquiéto. Nous gain barre de titre qui c'est ça. Côté marqué classeur 1, hein? C'est le même qui barre de titre là côté marqué nom logiciel là. Après fin bail travail ou en nom classeur 1 a sorti nom média à remplacer. Nous gain ça yo. Ce sont des onglets, ça aussi onglet oui qui c'est dans ruban on joue des onglets. Nous allons faire plus connaissance avec en dans logiciel là, les nouveaux logiciels là. Nous gagnons ça, nous avons fait charler qui c'est curseur de fractionnement horizontal, venez permettre de monter et descendre. Et puis nous gagnons curseur de fractionnement vertical, il fait bientôt faire même bagarre là, aller venir permettre et glisser sur verticalement. OK, bien curseur de fractionnement en anglais ascenseur permet de faire presque même travail avec curseur de fractionnement vertical là avec horizontal. Nous gain bas d'état qui c'est parti en bas ça, c'est bas d'état. Nous gain angle de feuille, ça c'est côté qui gain différentes feuilles de calcul, nous avons feuille 1, feuille 2, feuille 3. Dès pour changer nom, nom a changé, feuille l'a sorti, nom média a changé. Voilà. Ok, nous avons classeur. Comme nous avons allé à marquer classeur, nous avons sa classeur. Un classeur est un fichier contenant une ou plusieurs feuilles de calcul destinées à vous aider à organiser des données. Vous pouvez créer un classeur à partir d'un classeur vide ou d'un modèle. Ok, c'est ça un classeur. C'est un fichier qui gagne plusieurs feuilles de calcul. Qui gagne un seul ou plusieurs feuilles de calcul. T'as coup ça là, gagne trois feuilles de calcul. Il te gagne un seul. Il te gagne plusieurs. Nous allons montrer comment on est capable de créer plusieurs feuilles de calcul
ou bien comment capable créer quelle que soit quantité fait du calcul que vous voulez et comment capable rejoindre. Nous allons faire plus connaissance à l'interface là. Laissez-nous entrer en dedans. OK. Pour télécharger le logiciel ça qui c'est Microsoft Office, vous pouvez aller sur ordinateur ou vous pouvez aller sur n'importe navigateur qui sur ordinateur, quel est Google Chrome, qu'il était Opera, qu'il était Mozilla Firefox, quel que soit navigateur lié à monter sur lui. Moi-même, j'ai Chrome, m'a monté sur Chrome. Le mauvais sur Chrome, m'a cliqué, m'a cherché Google, m'a fait appeler là, m'a tapé google.com. Et puis là, bueno là. L'arrivée là, m'a tapé download. Microsoft Office 2013. Moi-même, c'est sur année 2013 là, m'a fait formation hein, pour plusieurs raisons. Parce que 2013 là, c'est les mêmes institutions qui plus utilisées. Ou qu'à travailler avec 2007 là, si vous voulez, ou qu'à travailler avec 2010 là, ou qu'à travailler avec 2016 là, ou qu'à travailler avec 2010 là, ou qu'à travailler avec 2019 là, quel que soit le choix offert. Pour travailler n'importe, c'est toujours même gens seulement avec des petites différences tout petit. Mais si vous voulez, gain même bagage, si vous voulez et suivre formation à la lettre, je vous conseille au point 2013 parce que 98% institutions c'est 2013 là yo utilisé. OK, quoi mettez 2013. Download Microsoft Office 2013 et pour faire enter. Pour faire enter la voie là. On va gagner on va faire. On va juste cliquer sur premier ça, c'est Microsoft Office 2013. SP1 téléchargement gratuit et rapide. Ou cliquer sur lui. Donc capable là le télécharger Office 2013, la suite bureautique de Microsoft contenant les logiciels Word, Excel, PowerPoint. Access, bon, nous pas fini le reste là. N'a pas cliqué sur lui. Et nous faisons cliquer sur lui là, nous capable là, livrer nous là directement, côté pour nous télécharger là. N'a pas cliqué sur télécharger. Depuis le niveau là, nous avons ignoré, nous pas faire, nous avons ignoré. Bah. Et nous ignorer, le capable là, la marche. 3 secondes, 2 secondes. 0 secondes et puis n'a pas commencé. Donc capable là, il était commencé. Moi même m'a pose pas maintenant parce que moi gagne déjà, on va obligé installer encore. Hop, là le film marcher qu'on y a au même, on va gagner faire, on cliquer là. Et pour avoir aller dans show in folder, avoir aller directement là maintenant côté logiciel là aller. Ou bien on va aller dans download sur ordinateur là pour capable joindre les donc moi même pour aller dans download et puis option logiciel ou ici. OK, c'est là où je dans download là fin télécharger logiciel ou c'est simple là pour 30 jours qu'on y a là pour capable activer la vie. C'est possible, mais si vous voulez utiliser pour un mois seulement, vous pouvez juste continuer à utiliser l'offre de télécharger ou installer normalement. Vous êtes capable d'utiliser, mais si vous voulez gagner la vie, dites-moi pour être capable de plus d'explications de comment que vous êtes capable d'activer le logiciel ça à vie. Cliquez sur les et puis voilà dans la barre de recherche là on tape Excel. On capable là les bam Excel là sans problème. Mais nous capable là marquer Excel 2013. Si c'est l'autre Excel ou bien l'a marqué, si c'est Excel 2007 l'a marqué. Quel que soit Excel ou bien l'a mettre sans problème. Si vous avez Windows
7 la marché comme ça tout capable aller dans logo Windows ou aller dans all programme ou aller dans Microsoft Office. OK, Microsoft Office et puis là ouvrez Microsoft Office là ou joindre tout package Microsoft Office là qui c'est Word, Excel, PowerPoint, Access. Ou joindre tout le déroulé Microsoft Office là. Lorsqu'on joue Excel là, on va vraiment faire juste cliquer sur lui. On fait double clic. On va cliquer deux fois sur lui. Et puis on obtient le ouvert. OK. Dès là, vous verrez, c'est comme ça. On va voir la marque Excel là, vous voyez. Et puis là, l'ouvre. C'est comme ça, 2013 là, présenté. OK. Quelle que soit année ou gain, hein, pas inquiéter la poubelle capable interface là comme ça tant que 2007 là peut pas être comme ça mais la bon moyen pour ouvrir bon 2007 là m'coure la pour ouvrir directement pour nous capable la petite fenêtre ça peut être là la fenêtre ça veut dire que office moyen pas activé ça veut dire c'est pour 30 jours de gain si n'a laissé il est là n'a pas il dit this copy of Microsoft Office is not activated. OK. Il dit Microsoft Office moyen pas activé. Sinon les puis loin après you have 1 day left to activate. Yo bon on gagne du 30 jours, m'rété 11 jours. Ça veut dire m'était fait 29 jours avec logiciel ça m'rété un seul jour. Ça qu'a passé les gagne jours ça fini. Passé. Les grands jours fini là, on pas bien accès à logiciel là du tout. Chaque samba les DF, il va bon accès pour me faire. Il va bon logiciel là ca ouvrir, même pas bon accès pour me taper pour me faire calcul, pour me faire rien. Il pas bon accès. Donc là nous capable là, il me dit change product key. Ça veut dire c'est une clé d'activation. On l'a acheté, il y a beau une clé d'activation. Avant il mettait clé d'activation et puis l'a pas activé pour call. Mais souvent un clé d'activation hein, ou obligé de passer par l'autre moyen pour activer l'autre moyen gain il existait moi même qu'on aime et c'est toute forme mais qu'on aime dis moi écris moi privé ou bien quitte un commentaire pour capable plus explication sur comment on capable activer Microsoft Office si c'est pour 30 jours ou gain rien comme moi même retour jour ça veut dire gain accès pour me travailler sur les toujours ça pas problème moi c'est pas gain jour même pas capable et ben m'a close li et puis on va travailler sur les moi même ça fait me quitter le concert pas activer c'est juste pour me capable montrer comment la paraît les que office Microsoft Office ou pas activé. OK m'a close li. Ça c'est première interface qui paraît. Nous capable là par ici nous voyons Excel et puis nous voyons recent. Recent ça veut dire récent, travail que moi fait pas trop longtemps. Ça veut dire c'est travail récent dernier travail que me fait sous Excel. Donc nous capable l'écrit intro X. OK, ça qu'en bas c'est desktop, ça veut dire il est enregistré sous desktop. Ordinateur. Nous capable là, nous open order workbooks. OK, ça veut dire pour nous ouvrir l'autre bagage. OK, si nous allons là, nous capable là search for online templates. OK, template qui ça ce sont des exercices qui fait déjà ou bien des formes ou bien des modèles, OK, capable des online sur internet ou capable faire recherche là écrit non et puis là bas directement. OK, nous gagne là nous capable là ça autour ce sont des templates nous capable là billing statement, blood pressure tracker, capable expense report, ce sont des modèles ça oui. Nous gagne loan amortization, nous gagne personal of the budget. OK, là c'est des budgets, nous gagne sales report, time card, ça ce sont des modèles des templates. OK, vous faites déjà ou juste à changer contenu ou mettre contenu pour ou petit contenu là dedans.
Nous gagnons un blank workbook, ça veut dire et nouveau document, ça veut dire une page vide là pour ouvrir pour vous. Là et vous même qui pouvez le mettre pour parfois en ouvrir. Vous cliquez sur lui. Vous cliquez sur lui là ou en dans Excel là, ou en dedans vente Excel là. Nous allons faire une bref présentation de ça regarder là. OK. Comme nous te voyons, ça c'est bas le titre nouvelle. Nous capable là pas en anglais. OK. Ça qui arrive que si c'est français on prend au jeune pour là en français. Mais pas un problème. N'a travaille tout ça m'a fait. N'a fait ni en français ni en anglais. Même plus travaille sur anglais parce que pas en français. Formule si Excel ou en anglais utiliser ou obligé utiliser formule anglais. Si la français ou obligé utiliser formule français. OK, c'est ça fait ou supposé qu'on est ni français ni anglais. Si toutefois vous venez en entreprise, c'est anglais ou jeune. Si vous arrivez au jeune français, il faut capable d'utiliser tout. Ce n'est pas vous-même qui pouvez choisir qui est pour vous mettre pour. OK. Nous avons parti en l'air là. On commence là. Pour arriver là. Là. OK, parti ça. Parti en l'air ça. On le relais ruban. OK, le relais ruban. OK, ruban. Dans ruban, nous joignons des onglets. Onglets, c'est par exemple Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review View. OK, ça, ce sont des onglets. En dans onglets, nous joignons des outils. Des outils que qui permettent nous faire un paquet de mise en forme, un paquet de bagages. N'a travaille sur tout net. On va parler de Konya, de tout Konya, parce que la vidéo est trop longue. Ma point, il y en a après l'autre, n'a travaille sur tout, pas inquiéter. OK, ruban qui gagne des onglets et onglets qui gagne des outils. Ça permet de travailler sur, ça permet de faire tout ça, nous besoin faire dans Excel. Là. Nous gagnons là, de là jusqu'à là, c'est zone de travail. OK, c'est zone de travail, c'est là tout travail est fait. Mais nous gagnons ça qui c'est zone non, donc on va voir la name box. Si c'est en français, la marque zone non. Ça, lui-même, lui écrit cellule qui sélectionne. Qui ça qui une cellule? Cellule là, c'est ensemble de petits casiers ça ouais là. Ok, c'est ensemble de petits casiers ça ouais là. C'est au même qui cellule. Bon, il y a pas même genre cellule, nous capable de dire cellule côté un prisonnier non. Mais c'est que ce sont quand même des cellules. OK, chaque fois que vous voulez oublier comment vous allez penser avec côté vous mettez un prisonnier et puis vous changez comment vous allez. Ça c'est des cellules, ça ce sont des cellules. Nous capables là qui répartit en colonne et en ligne. OK, nous avons une ligne qui numérotée par par lettre alphabétique. Nous capables A B C D jusqu'à Z. OK, nous avons là et colonne qui numéroté de 1 2 3 4 OK jusqu'à il y a des millions de cellules. OK, OK, donc comment on lit tanko ou lit de ligne à colonne. Par exemple, si me dit on dit en bas B ça la mettre G comment comment m'appeler m'a dit cellule que comme ça m'a dit cellule B1. Est-ce que nous là cellule B1 c'est qu'on sur l'île. Donc par exemple si m'aller là m'écrit A, comment m'appeler ça m'appeler. OK, m'appeler cellule n'a pas alphabet avant G et puis n'a aller dans ligne ça 2. Et bien c'est wall ça qui c'est zone non name box ça automatiquement quel que soit c'est le sélectionneur lui même la tout du qui non lui. Par exemple là nous elle marqué G2 donc aussi n'a regardé la nouvelle G et puis là D. OK, donc au lieu na li depuis nous sélectionner n'a tout elle en aller par exemple en aller là voilà le ba non Q10 au lieu voir li voir vérifier comment le li tout bon non là c'est name box ça veut dire zone de nom. Lo ale la ou al geta bo I19. Lo ale la al bo B5. Lo ale la al bo A2. Lo ale la al bo A1. Donc ça c'est zone.
De là, arrivé là, ça c'est bas de formule. C'est là que vous va être capable de mettre formule. Par exemple, écrit formule. Vous êtes capable de mettre formule là ou bien autre contenu, texte, quel que soit ça. Par exemple, si je sélectionne ça, cellule D3, je vais écrire par exemple AS. Vous êtes capable de mettre là pendant mettre AS là, là tout aller dans cellule D3. Par exemple, quel que soit ça, mettez là. Quel des chiffres, quel que soit lié, elle apparaît dans cellule là, cellule sélectionnée. Ok, nous gagnons là tout ça. C'est faire des calculs. C'est là nous voilà capable de faire tout ça en affaire. Comme était par exemple cellule, il y a un chiffre, il y a une lettre, il y a un pourcentage, il y a une devise, il y a capable de gagner. On paquet, on paquet, on paquet, paquet. Nous allons voir en détail puis devant. Ok, nous allons voir tout en détail puis devant. Nous avons là qui c'est sheet, c'est feuille de calcul là. Nous avons sheet 1. Ok, si c'est en français, nous avons feuille 1. Et puis nous avons là onglet feuille de calcul là. Nous sommes capables là, si nous voulons créer un deuxième, dans même là. On a juste cliqué là. On est capable de marquer New Sheet. On est capable là automatiquement nous gagne Sheet 2. Si nous continuons, on a pris Sheet 3. Si nous continuons, on a pris Sheet 4. Si nous continuons, on a pris Sheet 5. Ça veut dire quantité ça nous voulons mettre. Ok, par exemple, on va faire des additions. Tout. Par exemple, si nous prenons 5, mettez 5 là. Tout. Par exemple, si nous additionnons, on est capable de dire. Qui cellule ça est, qui première cellule là, comment on le B2, B, pardon, allez là, on dit B, B4, plus, qui cellule ça, comment on le B3, B3, et bien fait, sorry, B, 2 plus B3 N2. Mais pas oublier, nous capable là, il pas bon moyen. Pourquoi ça pas bon moyen? Parce que Excel lui-même, il compte tout bagarre à l'aide de 1 égal. Depuis son calcul pour le faire, ou supposé mettre égal devant. Sinon, il pas reconnaître. Nous capable là, il met égal, on fait enter. Nous capable là, le bon 10. Donc ça, c'est pour nous dire, nous, quel que soit le calcul à faire, avant de commencer, nous devons toujours mettre égal. On va essayer pour nous. On met 20, 12 là, on met 12 là. Quel que soit le côté lié, on met 23 là. On a là, on va l'additionner. On va mettre égal. On est capable de sélectionner le tout. On va mettre cellule là, on met égal. On va sélectionner, et puis on met signe plus là. Et puis on va sélectionner l'autre là. Ok, et puis me fait enter. Donc, capable là, le marquer 35. Calcul la fait automatique. Pour ça, tout le monde fait multiplication, mettez égal. Et puis me dit 5. Et puis me mettez signe multiplication, qui c'est anti-étoile. Et puis me sélectionner l'autre là. Et puis me fait enter. Donc, capable là, 25. 5 fois 5, 25. Ok. Capable faire des calculs. T'as coup si vous dit par exemple 35, on met là, on fait égal 35 moins 12 égale 23. Donc c'est comme ça. Donc on fait addition, on fait soustraction. Par exemple, on prend 25, on fait égal 25 divisé, on fait division, divisé par 5, qui ça le bail, il bail 5. Donc, c'est comme ça. Nous connaissons que pour division, nous utilisons ça. Sorry. Pour soustraction, c'est ça. Pour addition, c'est ça. Pour multiplication, c'est ça. Et puis, pour division, c'est ça. Ok, moins pour soustraction, plus pour addition, étoile pour multiplication, et puis slash pour division. C'est comme ça qu'on fait calcul. Calculer, c'est comme ça. Donc, et puis là, nous gagnons
bas de tâche. Donc c'est lui-même qui prend en bas, lui-même, lui parfois il montre des sont faits sous feuille Excel ou feuille de calcul. Par exemple, il va mettre zoom et tout, capable de zoomer. Ok, il peut mettre gain un preview de ce affaire, etc. Donc, c'est comme ça. Par exemple, si on calcule les sommes, formule somme, on a la formule qu'on a. Formule somme, c'est égal, pas oublier, me dire, quel que soit calcul à faire, quel que soit calcul à faire, le commencer par égal. Donc, sorry. Ok. D'un coup, on a dit égal, on a dit somme, somme. Donc, est-ce que ça m'a fait à la bon là? Non, il n'est pas bon parce que Excel moyen en anglais, il n'est pas bon. Donc, si pour là en français, vous devez mettre somme, ouvrir et vous mettez valeur, ou bien vous sélectionnez valeur, et puis vous faites point virgule et vous sélectionnez l'autre valeur, il est bon. Donc, il n'est pas bon qu'on y a parce que pas maintenant en anglais. Mais pour en anglais, donc on fait là en français qu'on a. Ok, m'a dit égal. Somme, c'est somme. S-U-M. Donc, capable de tout en moins. Et puis, on est capable de mettre number one. Number two, ça veut dire tout du comment pour faire. Donc, nous capables là, l'aile en anglais, on doit utiliser formule anglais, l'aile en français, on doit utiliser formule français. Par exemple, on dit somme 23, ou bien je tout prendre tout deux. Tout deux. Et puis, je ferme parenthèse. Et puis, je fais enter. Nous capables l'album, c'est comme ça. Ok? Après, l'autre, égal. Somme. Ok, ça c'est en français. Si c'est en anglais, je vais écrire somme dans le normal. Si c'est en français, je vais écrire normal. Mais comme c'est en anglais, je vais écrire ça mauvais. Et puis je sélectionne. Virgule. Et puis je ferme. Sorry, je ferme parenthèse. Je suis capable là. Il fait sans problème. Est-ce que nous là? Donc c'est comme ça. Pour faire calcul à l'aide des formules, qu'on a là nous gagne formule addition, hein? Nous gagne qu'on a formule addition hein? Qui c'est égal somme, c'est l'en français, S O M M E, ouvrez parenthèse, vous mettez première valeur, virgule, deuxième valeur, fermez parenthèse. Si c'est en anglais, vous mettez somme qui c'est S U M, ok, et puis ouvrez parenthèse, vous mettez première valeur, virgule, deuxième valeur, et puis vous fermez parenthèse ou la bonne résultat normalement. C'est comme ça que vous faites calcul. Ok, la permet tout quand vous capable de mettre des textes. Par exemple, on met par exemple Jésus. Jésus, vous capable de mettre des textes, vous capable de mettre des chiffres. Pardon, on est capable de mettre pourcentage, on va mettre tout sauvé. Donc, on a fait du calcul, on est capable de mettre n'importe sauvé. On va faire des calculs, pas oublier Excel là, les mêmes spécialités, c'est faire des calculs automatisés. Ok, on a fait calcul sans problème. Donc, cela nous compare avec aujourd'hui. Nous souhaitons tout le monde comprendre tout ça que tu fais. Nous souhaitons tout le monde et gagner une idée qui est base Excel là. Et n'a pas continué avec quoi. Et dans le prochain cours, n'a pas commencé à entrer. N'a pas commencé à entrer dans le bagage sérieux. N'a pas commencé à montrer faire des exercices de base. Ok, nous va quitter exercice de base pour nous aller dans un bagage qui difficile. Si nous fait ça, pas grand monde cap comprendre et tout le monde a découragé au bivac. Donc faut nous faire des exercices de base avant cap permettre de comprendre base cap permettre de comprendre ces bagages simples
afin que vous soyez capable de comprendre ce qui est plus difficile. Donc, si vous ne comprenez pas ce qui est simple, je vous garantis que ce qui est difficile, c'est un cours magique à apparaître devant. Donc, vous devez être actif dans le commencement. Vous devez essayer de comprendre tout ce qui est fait dans le commencement. Parce que c'est vous-même qui parle de habilité, facilité, vous êtes capable de comprendre tout ce qui est difficile puis devant vous. Donc, pas oublier, commenter, quitter un commentaire, moins like formation. Et puis, si vous avez une question, dis-moi ou bien quittez le commentaire, je vais répondre sans problème. Même si vous avez beaucoup répondu, vous mettez moi, je vais répondre dès que moins 10 disponible. Pas oublier Excel là, de jour en jour, la vie plus important, la vie plus utilisé. Donc, fait tout effort possible pour capable comprendre et maîtriser. Bye bye tout le monde.